Y'a tout le monde, c'est Super Killian. Donc les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo enfin sur ce Call of Duty Ghost, j'allais dire Black Ops. Donc aujourd'hui un excellent gameplay à vous proposer en domination. Donc c'est un excellent gameplay que je vais vous proposer, même si j'ai mis un peu de temps à vous proposer des gameplays ces temps-ci. Vu que je ne joue que le week-end, que quand je joue en domination je déteste perdre, je suis un énorme rageux comme vous avez pu le voir en introduction au début de la vidéo. Je suis un énorme rageux et dès que je joue en domination, c'est je joue la victoire. Je suis le genre de type qui... Je préfère faire du 0-50 et gagner la partie que faire une bonne partie et la perdre. Je suis un peu comme ça et c'est pour ça que je vous ai pas trop proposé de gameplay ces temps-ci. Vu que ça tourne autour de 1-1-50, 2 maximum et même avec du 40 à 30, 50 kills pour 35 morts, c'est pas ce qui vous intéresse. Même s'il y a beaucoup d'objectifs, etc., beaucoup de kills, je pense pas que c'est ça qui vous intéresse. Donc cette partie, j'étais accompagné de 3 potes, je pense, 3 ou 4 potes, je m'en souviens plus trop. Et donc je les ai un peu, vu qu'on dominait largement la partie, je me suis dit, on va s'appliquer sur les kills, comme vous voyez, ça enchaîne déjà pas mal. Et donc voilà, donc ça va être un excellent gameplay à la MSBS, un excellent fusil d'assaut, donc qui est pour moi le meilleur fusil d'assaut avec la Honey Badger. Donc je vous ferai une vidéo, quel est le meilleur fusil d'assaut, la meilleure mitraillette, le meilleur fusil à pompe, en vous présentant à chaque fois un excellent gameplay avec l'arme que je vous conseille parmi les catégories d'armes. Donc cette vidéo je la proposerai bien évidemment aux chaînes communautaires, comme d'habitude. En espérant qu'ils m'acceptent car leur aide est très précieuse et je me permets de leur faire de vous leur proposer un très bon gameplay vu que ça rush pas mal avec cette excellente arme. Et bien sûr il faut toujours, comme à mes habitudes sur ma chaîne, des vidéos avec où moi je suis du genre à faire des tutos, des explications. Donc aujourd'hui je vais vous aider, enfin je vais vous expliquer plutôt comment bien évoluer sur ce Call of Duty Ghost. Donc moi je suis prestige 1,5 et encore je ne joue que le week-end. Et j'ai pas mal rodé, donc je sais comment quoi vous dire pour quelles astuces, quels conseils appliquer pour bien évoluer et avec efficacité bien entendu. Donc ce que je vous conseille le plus basique bien évidemment, c'est de jouer dans le mode de jeu à objectif comme je le suis en ce moment même en domination. Donc je vous dis de jouer dans les modes de jeu à objectif, bien entendu c'est une chose, mais si je vous dis de jouer en domination, au moins aller capturer le drapeau, aller faire un peu de défense, un peu d'attaque. Si c'est pour jouer en domination comme sur la map Stonehaven et être au snipe au fond de la map, hardscoper un couloir, ça ne sert strictement à rien. Et en plus, si vous perdez la partie, niveau XP, ça amènera beaucoup moins d'XP que si vous aurez gagné la partie. Ensuite, ce que je vous conseille bien entendu, c'est de jouer avec vos potes. Ça vous assurera au moins la victoire. Et comme dans cette partie, j'étais sûr qu'on allait gagner vu qu'on a les 3 drapeaux. Ou au moins deux drapeaux durant toute la partie. Donc on se dit c'est bon, on a les 3 drapeaux ou les 2 drapeaux principaux. On peut se concentrer uniquement sur le frag. Et c'est pour ça que je peux vous proposer d'excellents gameplay. Donc ensuite, ce que je vous conseille dans les modes à objectif, c'est surtout la domination et le mode de jeu enragé. Le mode de jeu c'est enragé qui est mon coup de cœur. La plupart des gameplays qui vont arriver seront en mode enragé. Je kiffe ce mode de jeu parce que je... Pardon. Je suis un rusher, je fais que rusher, tête baissée ou non, je rush. Et le mode enragé, c'est là où il y a le moins de campeurs, il y a le moins de snipers qui hardscope les allées comme en domination, ou le drapeau. Et c'est le mode de jeu que je vous conseille, vu que dès que vous êtes enragé, le nombre de... les 100 points que vous faites par kill est multiplié par 2. Et ensuite, je vous donnerai une astuce en fin de vidéo. Et sinon il y a le mode EC, mais ce que je déteste dans le mode EC, c'est que sur ce jeu les spawns sont archi foireux. Vous tuez quelqu'un, vous voulez aller ramasser les plaques, vu que vous jouez en EC, si vous voulez bien évoluer, ramasser à fond les plaques, et ça spawn dans votre dos et vous avez même pas le temps de bien ramasser les plaques. Donc la EC c'est à déconseiller, à part sur les petites maps bien entendu. Aussi pour bien évoluer, il faut bien comprendre le système des jetons qui est sur ce Call of Duty Ghost, qui s'apparente au mode en payant comme c'était le cas sur Call of Duty Black Ops 1. Donc pour bien comprendre en fait, chaque fois que vous passez un niveau ou que vous réussissez des défis, vous avez des jetons et ce que je vous conseille c'est de les économiser. Donc comme vous le savez, ça sert à débloquer des armes et des atouts. Mais ce que je vous conseille de les économiser, c'est que surtout pour les prestiges suivants, donc pas mal d'entre vous je pense sont prestige 1 ou bientôt prestige 1 ou sont tout fraîchement prestige 1, je vous conseille de les économiser parce que pour passer prestige il faudra acheter un soldat
pour tous ceux qui ne savent pas. Et vu que vous aurez économisé des jetons, vous savez déjà quelles armes vous aimez, quel style de jeu vous avez, donc quels atouts il vous faudra acheter, parce que vous pouvez acheter les atouts en avance et ne plus atteindre le niveau requis pour les débloquer. Donc économisez les jetons et niveau 1 vous aurez exactement la même classe que si vous auriez été niveau 60. Donc c'est une excellente chose et c'est ce que je vous conseille de faire, économiser les jetons. Et surtout que pour passer du prestige 9 au prestige 10, le jeu demande 500 jetons. Donc je pense qu'il faudra économiser un peu à l'avance pour mettre 500 jetons de côté. Donc ensuite, ce que je vous conseille en dernier pour bien évoluer, c'est de jouer en mode spécialiste. Donc comme je vous ai dit, tout se rejoint, tout ce que je vais présenter dans la vidéo se rejoint. Économisez les jetons pour débloquer les atouts qui correspondent à votre style de jeu. Si vous êtes rusher, poids plume, agilité, marathon. Si vous êtes un sniper, as de la gâchette et d'autres atouts comme indétectable, etc. Et grâce aux spécialistes, eh ben, tout se rejoint. Vous avez débloqué avec les jetons les atouts que vous voulez, et en jouant en spécialiste vous débloquez les atouts et ça vous donne un bonus d'XP supplémentaire, bien entendu. Ça vous double le nombre de scores, ce qui s'appelle le bonus spécialiste. Et c'est grâce à cela que vous allez faire d'excellentes parties, je vous le garantis, j'en suis sûr et certain. Donc le mode spécialiste que je vous conseille le plus. Mais si vous galérez à économiser les jetons comme moi, je suis un peu un touche-à-tout, je joue avec énormément d'armes différentes, j'arrive pas à me concentrer une soirée uniquement avec la même arme, ça m'embête rapidement, et j'ai tendance à acheter d'autres armes. Donc je vous conseille assaut avec détermination, vous mettez comme moi le bombardement et les deux hélicos A8 et A12. Donc j'espère que cette vidéo un peu tuto, explication, compilation d'astuces vous aura plu. On se dit à la prochaine, merci beaucoup, ciao tout le monde.